Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle playlist. Eh ouais, Maître Cal, il bosse pour partager avec vous le maximum possible. Aujourd'hui, on va parler du meilleur exo pour les épaules. Mais c'est pas juste. J'ai mis le meilleur exo pour les épaules suivant mon avis personnel et celui suivant ma morphologie où je sens le plus bosser mes épaules. D'accord ? Il faut bien souligner suivant ma morpho. D'accord, les amis ? L'exercice, les amis, que pour moi, d'accord, où je sens mes épaules brûler et je les sens bien bosser, bien congestionner, c'est le développé militaire. Donc là, on va passer directement aux haltères ici. Par exemple, les amis, si on prend, peu importe, les haltères plus douces. Le développé militaire, moi, il y en a plein qui le font sur un banc à 90. Ils mettent un banc à 90, par exemple, et ils travaillent les épaules de la façon suivante. Ils descendent au niveau des oreilles. Pourquoi moi je préfère ne pas avoir le soutien du banc et rester comme ça assis, ou bien sûr je peux me mettre debout, pareil. Les amis, pour avoir le maximum possible de sensations dans l'épaule. Mais ça, c'est suivant mon ressenti personnel. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas testé, vous ne pouvez pas dire si ça marche ou ça ne marche pas, c'est quoi mon ressenti. Il y a aussi une autre façon de travailler sur, par exemple, la Smith Machine. On va mettre, peu importe, on va mettre 5 kilos. Hop. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets le banc un tout petit peu décliné. D'accord ? Je le décline un peu. Je ne le mets pas en max comme ça. D'accord ? Je le fais comme ça. Pas trop bas non plus parce que par la suite, on va commencer plus à sentir les pecs que les épaules. Sauf que les amis, pareil, on descend, on couche. J'ai un très très bon ressenti militaire à la Smith. Maintenant, on va venir à un truc où il y a eu un débat énorme. Le débat énorme, c'est le militaire nu. Donc, quand vous êtes là, alors, première chose, les amis, je ne suis pas là pour vous dire copier Maître Cal dans cet exercice. Alors, pourquoi? Parce que les amis, déjà, de base, si vous n'avez pas assez de mobilité et de souplesse, vous allez vous blesser. Et la blessure, elle va vous coûter cher parce que franchement, vous allez défoncer vos épaules, ça ne sert à rien. D'accord ? Et là, on revient au morpho. Chaque personne est différente. Si vous avez déjà de base des problèmes avec vos épaules, le couac du rotateur, etc., les amis, optez pour un travail classique avec les haltères ou avec, par exemple, une machine de développé militaire. Cette machine-là, vous la trouvez dans n'importe quelle salle de sport avec un milliard de marques, que ce soit par plaque, que ce soit avec charge libre, avec des disques. Alors moi, pour mon ressenti, on revient à la même chose, pour pouvoir sentir les épaules le maximum possible avec le développé militaire machine, ce que je fais, c'est que, au lieu d'être comme ça, je peux travailler comme ça, hop, que ce soit en prise large ou prise serrée, au lieu de bosser comme ça, j'ai pas un meilleur ressenti que quand je me mets comme ça, les amis. Et là, directement, je sens mes épaules bossées. Alors, là, les gens sont derrière la caméra en train de dire « C'est quoi le but de cette vidéo ? Pour nous montrer juste le développé militaire ?» Ben, tout le monde connaît le développé militaire. Mais moi, je voulais vous dire, trouvez la façon adéquate et propre à votre morphologie pour pouvoir sentir au maximum possible vos épaules et par la suite les développer le maximum possible. Comme j'ai fait moi, les amis. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai envie de les sentir, je travaille de la façon suivante que je vous ai montré pour pouvoir avoir le maximum possible de développement au niveau des épaules. Testez-les. Dites-moi dans le commentaire
Vous, c'est quoi votre meilleur exo? Qui marche le plus avec votre morpho? Le mien, en tout cas, c'est le développé militaire pour les épaules. On va se retrouver par la suite pour les bibis, les tri-tri, les pecs, les jambes. On va tout faire, tous les muscles, mais bien sûr, suivons mon ressenti à moi, ma morphologie à moi-même. Pour du coaching en ligne, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche et suivez-moi sur mon Instagram, Maître K. Et n'oubliez pas, les amis, que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, pas à 300%. Peace.